Salut les loulous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça pète la forme, il fait super beau, le soleil tape, l'été est là, ça fait vraiment du bien. Ce matin j'écrivais sur Facebook que c'est lundi et que j'étais en route vers de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes et de nouvelles surprises parce que c'est l'état d'esprit des gens optimistes, c'est être ouvert aux surprises, c'est ce qui fait qu'ils ont aussi beaucoup plus de chance que les autres, c'est que justement ils sont à la recherche de ces surprises. Et je ne pensais pas si bien dire parce que ce matin c'était ma disposition d'esprit et donc j'ai publié cela. Et dans le train dans lequel je me trouvais ce matin, là, j'attends ma correspondance, un ami à moi était dans les wagons, avait lu ce poste et avait fait tout le train pour venir me retrouver, est venu me voir, s'est assis à côté de moi et il a terminé son voyage à côté de moi, il est descendu avant moi. C'était super sympa, donc la première surprise. Et deuxième surprise, quand lui est sorti, une personnalité est entrée dans le wagon, qui s'appelle Dave. Vous savez, le chanteur Dave, du côté de chez Swan, il s'est assis en face de moi. Bon, il n'avait pas beaucoup envie de discuter, c'est pas bien grave, mais ça, on peut le comprendre. Il a été très correct. On s'est salué, on a eu quelques mots sympathiques ensemble. Voilà, Dave, qui s'est assis vraiment non loin de moi, même s'il voulait lire son livre, peu importe. Ce sont des belles surprises, des inattendus. Voilà, soyez optimistes et soyez toujours à la recherche et à la quête des surprises. Recherchez les surprises, n'ayez pas peur de les avoir, provoquez-les s'il le faut. C'est ce que j'ai vécu aujourd'hui. Moi, ma journée commence bien. En plus, plus tard, j'ai eu un repas avec un ami qui a de projets extraordinaires, qui m'a soumis un projet fantastique. Voilà, la journée, la semaine commence super bien. Qu'en est-il de votre lundi? Qu'en faites-vous? N'oubliez pas, ouvrez votre esprit pour des nouvelles possibilités. Ouvrez votre esprit vers des gens qui vous veulent du bien et qui ont des valeurs que vous partagez. Libérez-vous des gens toxiques. Franchement, libérez-vous-en. En tout cas, éloignez-vous-en. Le temps de mettre en œuvre tout ce que vous voulez mettre en œuvre. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. À demain. Ciao.